Je m'appelle Dominique Cata, je suis prêtre à Paris, ordonné en 2005, où j'ai fait mes études après avoir grandi en Bretagne. Je me retrouve dans une équipe d'abord de vicaires généraux. Nous sommes cinq et les quatre autres grands frères que je reçois m'apprennent cette mission qui est de veiller au nom de l'archevêque sur les paroisses de Paris, les prêtres en particulier, et toutes sortes d'activités qui parfois sont transversales aussi et qui sont portées au nom de l'archevêque par un vicaire général. La première mission que j'ai reçue, c'est une partie du diocèse sous forme d'un territoire composé de plusieurs doyennés avec 25 paroisses qui vont de l'ouest avec le 16e arrondissement jusqu'à l'est vers le 19e en traversant Paris. Première mission, la présence auprès de toutes les personnes qui sont engagées dans ces paroisses. Et puis l'autre mission, plus transversale, c'est de veiller à la formation, et notamment le Collège des Bernardins, l'École cathédrale et le Séminaire de Paris. Je me réjouis de pouvoir écouter beaucoup ce que les personnes vivent, et à la fois celles pour lesquelles il faut être proche parce qu'elles traversent parfois des épreuves, et puis énormément de belles choses qui se déroulent dans nos paroisses, qui arrivent, qui naissent, qui grandissent, qui disent la vitalité de l'Évangile dans Paris aujourd'hui. Et je me réjouis de pouvoir nommer avec les prêtres et les laïcs et les diacres ce qui se passe et qui vient de l'Esprit-Saint autour de nous, et de prendre le temps de le voir, et de prendre le temps d'en témoigner, et d'accompagner, soutenir tout cela. Je reprendrai vraiment les termes de la prière pour les vocations que notre archevêque nous demande de dire régulièrement. C'est une prière dans laquelle je me sens porté moi-même dans ma mission de prêtre, dans ma mission au service de la communion dans le diocèse. Nous prions pour que chacun trouve sa place et grandisse là où le Seigneur l'appelle, en particulier pour les missions de prêtre, de diacre, mais aussi tout ce qui engage les baptisés au service de l'Évangile. Eh bien, moi, je me réjouis de servir dans l'élan de cette prière commune du diocèse.